Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche en étant complètement à côté de mes pompes. Parce que j'enregistre dimanche, j'ai annulé le live pour me reposer. Et malgré les 3 heures de sieste que j'ai faites, pas les yeux en face des trous. Et j'ai commencé en fait à faire l'épisode sans avoir appuyé sur le bouton enregistrer, ce qui est un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Vous n'avez pas loupé grand chose, je suis juste allée à la mine puisque pour construire les éléments dont on a besoin pour réparer en fait la grange, l'hydrogel, il me fallait des moteurs. Last night I sat down with Miguel and the minister and did a rough inventory estimation of all the food we have in stock in and around Sandrock. It turns out we actually have enough food. Probably to last for a bit, but it's unevenly distributed. Get to the point, man. We ain't got all day. Right. So we'll use my stage for us to do a dance-off, where you need to donate some food to enter. And I have prizes. You lost me there, partner. What the what? I really don't see the reason to dance when we're about to starve. I second that there notion. Without the drama. What Owen meant was since there are some of us who are more fortunate than others when it comes to food security, it is our responsibility to make sure society as a whole perseveres through this difficult trial. Owen has volunteered his stage and time to organize a food drive in the form of a dance-off contest. Anyone can enter by donating some food. The church will help distribute the food to the people that need it. We'll show our adversaries what Sandrock generosity is all about. Plus, it'll give our builders enough time to do their business. That made sense. I could try to track down some of that old world canned food you see in the ruins sometime. I could do some extra cooking. Meat, better not to make people's lives any worse. By gum, it's just crazy enough to work. All right, Minister, you'll have your food drive. We'll be seeing y'all at the dance-off. Be there, be square. And yes, yes, it's wonderful to have you on board, dear Cooper. Now, what about the rest of y'all? Can I count on the good people of Sandrock to come together and make the first ever Sandrock dance-off and food drive a resounding success? Splendid. I'll be sending out more details via the mail. And with... Ah, Cooper, il a un truc sur la... Non, Cooper, j'ai dit. See, what I meant by square was not necessarily the four-sided figure we've all come to know and love. So on... Mm-hmm. Alors, pendant les... que j'étais dans les mines, j'ai un point... que je vais mettre, je sais pas où. Ouais, je vais mettre ça là-dedans. Ok. Alors, aide temporaire, oui, il faut que j'aille lui donner ça. Et en fait, c'est ça que j'ai eu hors, hors enregistrement. J'ai un truc à aller chercher dans les ruines. Apparemment, j'en ai déjà une partie. Donc, voilà. Elle est où la miss que j'allais lui livrer comme ça c'est fait? Bon, c'est que 20, mais c'est toujours 20 pièces.
Alors, j'ai donc un moteur. Donc on va pouvoir avancer sur le... C'est le cœur qu'on est en train de faire, le cœur de l'hydrogel. Et le reste devrait suivre pas trop mal. Alors attendez, c'est quoi B? Non, c'est pas ça. Je voulais regarder un truc. C'est pas grave. Ah oui, si. Oh là là, je vous jure, c'est terrible, hein. C'était dans les missions. Alors ça, je veux l'enlever. Je veux mettre ça à la place. Et toi, je t'enlève. Voilà. Tuyau de cuivre. Tuyau de cuivre. J'en avais pas lancé. Apparemment pas. Et lame en bronze. Il me fallait. Oh, que ça va être long cette affaire. Il me faudrait plus de machines comme ça. Pour aller un peu plus vite. Plaque en cuivre, il va m'en manquer une. Hop. Et puis, c'est quoi que je peux mettre? Je vais me faire une machine qui va faire du bronze et l'autre qui va faire du cuir. Cuivre. Je pense que c'est pas mal ça. Hop, ça va équilibrer un peu les choses. Hop, et... Faut que ça tourne, hein. On a de l'eau. Alors, je vais ranger tout mon bazar parce que j'ai récupéré pas mal de choses. Toi, je vais te mettre là aussi. Ah, appareil photo. Bon, normalement, quand on faisait ça, on pouvait aller sur l'autre page avant. Chiant qu'on puisse plus. Ça va là aussi. Et donc ça, par contre, c'est des trucs qu'il faut que j'ouvre. Si je fais ça, non. Ouais, faut que je sois donc là-dedans. Ah! Des moteurs. Bon bah c'est bien, comme ça on en aura pour la prochaine fois. Très bien. Nickel. Ça bah j'irai le vendre. Parce que force d'outils, rendement 12. Ah! Pour l'instant, t'es meilleur que le mien. C'est le mien que je vais vendre. Ok, très bien. Hop. Bon, on va passer à la journée du lendemain. Alors, ça va être bon.
ça aussi. Je vais pouvoir faire. Faut autant de roues? Il m'en faut que deux. Alors, s'il m'en faut que deux. Ça fait quatre. On va en remettre bien sûr. Déjà au max. Ah ouais. Mais... et ben on va continuer sur la pierre. Donc les tuyaux. Hop, ça c'est fait. Hop. Ok, donc ça, c'est en cours. Je vais refaire des petits... ça, là. Hop. Parce que mine de rien, comme nos machines, elles tournent à plein régime. L'eau diminue assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que maintenant, on peut en prendre deux. Et ça, c'est grave chouette. Bâton de bois dur. Table de sillage. Sillage meulage. Et alors, attendez, parce que moi, la question que je me pose... c'est... Encyclopédie produit. C'est meulage ponçage. Ok. Non, parce que je vérifie que ce soit pas sur la même machine. Parce que sinon, je vais mettre trois plombes. Exceptionnel et exceptionnel. On va prendre ces deux-là. En termes de bois dur, par contre, je sais pas trop ce que j'ai. Bah si, j'en ai pas mal quand même. Très bien. Ok, donc tout ça c'est en cours. Normalement chez Chi, j'ai quelque chose qui est en train de se chercher, rechercher tranquillement. Je vais aller chercher un peu de bois dur. Comme ça, ça va me permettre aussi de récupérer de l'eau. Enfin, d'une pierre de coup. Donc j'ai récupéré 16 rosées. Comme ça, je vais pouvoir faire deux bidons d'eau. Voilà. Bon, c'est pas ça que je voulais ramasser, mais ça fait rien. Voilà. Donc je vais pouvoir faire hop, ça. Très bien. Et donc là, il fallait que je lance des tuyaux de bronze. Hop, nickel. Donc ça, c'est bon. Qualité parfaite. Alors, je peux vous dire que ça a bien fonctionné cette affaire. Nickel. Maintenant, la porte. Oui, c'était bien ça, la porte. Hop. Donc il va manquer les tuyaux qui sont en train de se faire.
le bois dur qui est en cours. J'ai combien de sous? 3741 pièces. Ah, je peux 3000. Voilà. Parce que bon, comment dire? C'est pas que c'est un peu la crise du logement. C'est un peu la crise du logement quand même. Donc je remettrai ça mieux que ça hors caméra, hein, si j'y pense. Le prochain agrandissement, c'est combien? 5000. Hey. Alors, quand on va sur la mission, ça nous dit, par exemple, ça, ce que ça va nous rapporter. 1750. C'est pas dégueu. Hein. C'est vraiment pas dégueu. Bon, bah écoutez, pendant que ça se fait tranquillement, je vais continuer à couper du bois dur. Hop, le dernier tuyau de bronze. Impeccable. Ça, c'est du bon boulot. Alors, on va aller faire donc la livraison et puis réparer l'hydrogel. Enfin, la livraison en chemin. Comme ça, ça va laisser le temps au reste des bois durs de se faire. Eh bien alors, voilà. 494. Je crois qu'on a un bonus. On a un bonus quand on... Il me semble que j'ai mis les points là-dedans. Quand on a rempli la commande dans la journée. Ah, pour cette énergie. Mais attendez, parce que je l'avais pas récupéré. Il semblait l'avoir fait. If you weren't able to build this, we would have had to revert back to basic farming. In this heat and condition, most of the crops would have died. And that, but you saved the day. Let me do some cleaning around here. Then I'll teach you a few things about desert farming, like I promised. I'll let you know when I'm ready. T'inquiète, Paupiette. Ouais, je vais manger un peu. De ça. Non. Ah, j'en récupère. Ok. J'ai eu peur. Ok, ok. On reviendra plus tard voir Zik. Ça, il nous expliquera comment faire l'agriculture. C'est pas un truc que j'affectionne des masses dans ce jeu-là. Plus dans Portia. Et encore, je trouve que c'est pas un jeu où... où je fais énormément d'agriculture de manière générale. Hein. Peut-être à tort, hein, d'ailleurs.
que les baies des sables, je crois que c'est ça. On peut faire... Ouais. J'en fasse d'autres. Hey, Builder. Hot shopping again? Unfortunately, right now, if only I could slip my... That would be great. It's a simple delivery. You see, the Blue Moon Saloon is my store guarantee. Je vais te faire ça, t'inquiète, paupiette. Thanks. Amira, t'as besoin de quoi? Je sais pas. Ah si, c'était l'argile. Donc normalement, j'ai fait les deux distributions de la semaine. This the package I ordered from by the stairs? Ah, so you're helping Arvio. We'll take a Yakmo milk on that. Moi, je veux bien. Ça donne quoi, le lait? Points de vie, bien sûr. Putain, des points de vie, il y en a à crever, alors que moi, j'en ai pas besoin. Mais alors, de l'énergie, il y a que dalle. Bah évidemment que c'était rapide. Donc tu y vas alors que t'aurais pu le faire. Il se fout de moi celui-là. Bon, ça fait des pièces. Ah, des pièces en plus. Ah oui, j'ai pas assez d'énergie. Il y a faire don. Et ben voilà, je peux faire don de ça. Voilà, voilà. Donne plus pour obtenir de meilleures récompenses à la fin de la campagne de don. Oui. Oui, bah moi, la battle de danse, je suis pas vous, mais ça m'intéresse pas des masses. Je veux bien faire don, mais je veux pas danser. Ah, un point supplémentaire. Bah, dis donc, cet épisode, j'aurais eu 2 points. On aura fait 2 commandes. Réparer l'hydrogel. Fait un agrandissement. Et en vrai, c'est pas un épisode qui dure 3 plombes, mais efficace. Contente. Alors, atelier augmente la vitesse de production des machines de 10%. Ça, ça m'intéresse bien. Carburant, à chaque fois, j'en ai à crever. Alors. Pour m'embêter avec ça. Et bah écoutez, nous c'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à dans 15 jours pour la suite. Ciao tout le monde. Thank you.